Coucou. Bon, attendez, je m'installe. Je viens de recevoir mon colis anti-gaspi. Vous savez, je vous avais dit que j'en avais commandé un autre. Donc, je viens de le recevoir. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas du tout. Attendez, que je me mette comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. J'ai pas encore fini de ranger. Là, j'ai commencé à ranger, mais j'ai pas fini. J'ai reçu mon colis. J'ai dit, je vais l'ouvrir. Hein. J'ai hâte de. Alors, j'ai juste coupé pour pas faire trop de bruit. Mais j'ai pas retiré du tout, rien du tout pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc il y a du papier, il y a du papier, et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai de... Oh bah, c'est quoi ça? Chocolat vegan, lait d'amande. Oh bah, ça va pas être mauvais ça. J'ai une tablette de chocolat. Ça sera peut-être mieux quand même que mon colis que je vous ai montré, qui est paru d'ailleurs. Il doit être paru maintenant. J'avais commandé des produits asiatiques. Alors ensuite, oh ben ça plairait à l'eau de deux. C'est des. Oh ben je vais lui garder. De toute façon, pour l'instant, moi je ne les mange pas. C'est des. Comment des trucs apéro. J'en ai deux paquets comme ça. Voilà. En sel. Ça c'est beau. Je sais que ça plaira à qui je pense, parce que je pense qu'on va se voir bientôt quand même. Alors ça c'est quoi? Cracker. Alors attendez, je vais mettre ça plus loin parce que ça me gêne mon colis là. Attendez, hop, je vais me mettre là, je vais me mettre là, et voilà. Cracker, c'est encore des choses apéro, hein. Sans additifs, sans arôme. Je vais pas l'ouvrir. Ça, je vais le garder pour toujours pour Coco. Ça, les crackers. Oh, mais ça, peut-être, ça, je vais peut-être les manger quand même. Des petits crackers, là, comme ça, j'aime bien. Voilà, un paquet de crackers comme ça. Alors, oh, ben, j'ai 1 litre d'huile. Ça c'est pas mal, j'ai presque terminé mon huile que j'avais, donc 1 litre d'huile c'est pas mal. Hein. Je sais pas s'il y a une date de péremption, de toute façon l'huile ça s'abîme pas, puis même s'il y a une date, de toute façon comme je vous ai dit hier, c'est hier que j'ai tourné la vidéo, il y a 3-4 mois de préférence, quand c'est de préférence telle date, il y a 3-4 mois encore en plus, donc c'est pas mal. Ça nous avons... Un petit pot de miel. Bon, ça peut passer, ça. Des fois, quand on a mal à la gorge, mettre ça dans du lait et tout ça. Ou même... ouais, non, mais c'est mignon. En plus, un petit pot comme ça, c'est mignon. Nous avons... Ah, encore du foie de lotte. Bon, ben, ça sera pour mon ami. pour mon ami, hein, quand je la verrai. Ça, je ne le mangerai pas, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai là? Une petite bouteille d'extrait naturel de citron de Sicile pour mettre dans les gâteaux. Bon, ben ça se garde, hein, c'est des choses. Alors, il y a une date jusqu'en mars 2024. Bon, ben, après, ça se garde, hein, c'est pas, ça se périme pas comme ça. Ah, ça, voilà, voilà qui est bien. Voilà qui est bien. ça c'est pas mal, ça. Vous voyez, des... MMS, M&M's, M&M's, je ne sais jamais le dire ça. Ça c'est super, vous avez ça à côté de vous quand vous scrapez, au moins deux c'est parti. Hein. Ensuite, du thé vert classique. Bon bah du thé ça se garde toujours, hein, du thé j'en ai à revendre. L'autre fois j'ai fait le tri quand même, j'ai dit bon bah ça je garde pas parce que je ne vais jamais arriver à boire tout ce que j'ai. Voilà, du thé vert, ben c'est bien pratique. Ça, oh ben, alors ça et ça, je suis comblée, vous voyez. Les M&M's et les pâtes de fruits. Bah écoutez, hein. Pâtes de fruits, ouais. Purée de fruits, sucre, sirop. Je sais, il ne faut pas que j'en abuse. Mais hein, quand vous avez un petit coup de mou, vous prenez ça, c'est pas plus mal.
Ensuite, oh ben ça, j'en avais déjà eu la dernière fois, de l'ail semoule. Bon, je vais peut-être en donner un paquet à Corinne parce que j'en ai déjà un paquet. Ouais, je vais lui donner. Ça va aller pour elle. Ah bah des pâtes. Ça, des pâtes. Des coquillettes. Bon bah. Non, coquillettes jambon. Coquillettes jambon, c'est pas mal. Il y en a 500 grammes. Ah, pour moi toute seule, c'est ce qu'il faut. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, nous avons. Ah, des petites choses pour faire des gâteaux. Ah ben oui, il y a plusieurs. Voyez? Je vous tourne. Vous voyez, il y a des petites, des petits, des plus gros, des. Et comment ça s'appelle ça? Multi-déco pour décorer les gâteaux. Je pense que ça doit se garder aussi, ça. Il y a quatre sortes. Voilà. Il y a le chocolat aussi, oui, c'est vrai. Ensuite, j'ai une sauce truffe d'été. Truffe d'été, ben, ça ne peut pas être mauvais, ça, pour manger avec quoi, ça? Avec de la viande, avec des légumes, avec des champignons, peut-être, oui, parce qu'il y a des champignons. C'est écrit tout petit, alors comme je vous dis à chaque fois, je suis vraiment en miro. Puis en plus, j'ai baissé le volet là. Enfin, un petit pot comme ça. Ça, c'est bon, ça, j'aime bien, moi, ces petites choses-là, j'aime bien. Ensuite, nous avons une boisson fruits rouges. Fruits rouges. Infusion. Oui, c'est une boisson, oui. Infusion, oui. Oui, c'est pas mal ça. Petite boisson comme ça dans la journée. Ça ne peut pas faire de mal, hein. C'est pas mal. Et il y a un paquet là. Oh là, il y a deux choses dedans. Attendez. Alors, ça c'est quoi? Dips. Je ne sais pas, je vois qu'il y a du citron. Voilà, je vois rien du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors. Bah écoutez, je vous montre. Graines de sésame, un pois chiche, citron. Alors je ne sais pas du tout comment ça se mange. Pois chiche, citron. Pois chiche, citron connect. Graines de sésame. Alors, je ne sais pas, ça a l'air d'être une pâte. Mais. Graines de sésame, ça doit s'étaler sur quelque chose, je sais pas. Bon, quand je verrai un peu plus clair et puis que c'est bon jusqu'au. Oh, bon, ça va, de préférence 15 mars 24. Donc, oui, ça me fait 3-4 mois, je peux garder, c'est bon. Et ça, oh, ça, je pense que j'ai déjà eu ça la dernière fois, je vois le paquet. Oui, des haricots. On va ça, les haricots. Hein? Je les ai encore pas mangés, mais bon. Haricots, il va falloir que je me les fasse d'ailleurs. C'est tout. Oh, c'est dommage, c'est déjà fini. Alors, c'est un colis anti-gaspi. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un colis anti-gaspi, c'est vous. Comment? Vous téléchargez sur votre téléphone anti-gaspi, enfin, to go. Et vous allez voir, vous avez plein. Vous avez des magasins, vous avez. Moi, ici, j'ai plusieurs magasins. J'ai Marie Blachère, j'ai Mangeons Frais, j'ai Ecomiam. J'en ai un autre, c'est une autre boulangerie que Marie Blachère. Il y en a un autre, c'est à la place de la gare, mais je ne me rappelle plus du nom. Et vous avez aussi en livraison, dans le bas de votre téléphone, c'est marqué livraison. Et vous avez ces colis-là pour 19 euros. On va dire 20 euros. Je pense que pour 20 euros, ils y sont. Hein. Ils disent que c'est des colis de 40 euros, mais je pense pas 40 euros. Il n'y a pas 40 euros là-dedans. Hein. Je pense pas quand même. Mais 20 euros, bon, bah, c'est correct. Hein. Voilà. Il n'y a plus de 20 euros de toute façon. Donc,
Moi, je surveille de temps en temps et puis bon bah quand je vois là l'autre fois bon bah hier je me suis fait avoir avec le colis asiatique mais j'étais persuadée que c'était plein de petits trucs asiatiques vous savez et puis non c'était bon bah, j'ai fait une erreur mais bon je me rattrape avec ça aujourd'hui donc je suis contente j'ai mes M&M's j'ai mes pâtes de fruits j'ai mon chocolat j'ai mes pâtes de la boisson, de l'huile, des gâteaux apéro. Bon, bah, c'est pas mal, hein? Des petits trucs pour faire les gâteaux, ça, je vais les garder. Et puis, quand elle viendra en vacances, parce que je pense qu'elle viendra un petit peu en vacances cet été, et ben, on fera des gâteaux avec ça. J'ai y a du thé vert. Bon, bah, ça, du thé vert, c'est bon. Ce que je vais faire, ben, comme je bois, alors, vous m'avez dit 3 litres par jour. Non, hier, j'en ai bu 2 litres et demi. C'est déjà pas mal. J'ai envie de me faire du thé. M'en faire un litre de thé et le boire froid tout au long de la journée. Je pense que aussi ça peut me faire du bien. Voilà, ça va. Hein, je vais voir vendredi ce que le Toubib va me dire. Donc, je n'y retourne pas encore aujourd'hui, pas au Toubib, parce que ça a été à peu près là cette nuit. J'ai dû me lever deux fois cette nuit. Donc, ça va. Hein, c'est correct. Bon, ça, je vais le donner à Coco. Ça, je pense que je vais le garder. C'est des petits trucs à grignoter. Ça, je vais lui donner. Je sais que mon gendre, il aime bien. Ben, mon gendre, qui ma petite fille. Hein. Même Coco, elle aime. Donc, ça, je vais lui donner. Je vais le mettre de côté. Et puis, le reste, ben, je vais le garder, quoi. Les pâtes, ça va être fait. Les flageolets, là, les haricots blancs, ça se garde. Hein. Ça se garde. Les boissons, ça va être bu. L'huile, je vais m'en occuper. Là, le foie de l'hotte, bon, bah, je vais le donner à ma copine. Et puis la sauce. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Le miel. Et puis, il y avait un petit flacon aussi. Oui, ça, pour faire des gâteaux, bah, ça va aller avec ça, dans mon placard gâteau. Et puis, voilà. Et bah, écoutez, je suis contente de mon petit colis. Anti-gaspi. Et puis voilà quoi. Ça me fait encore un carton à découper. Les cartons, ça y va. Hein. Oui, je vais faire. Oui, je pense que. Ou alors je vais prendre le thé vert à la menthe. Parce que j'avais du thé vert à la menthe l'autre jour. Ouais, je vais me faire un litre de. Faire chauffer un litre d'eau. Je vais mettre mon thé à macérer dedans. Et puis je le commence. Ah, c'est des doses comme ça. Attendez, je vais regarder. Paquet, il est un peu éclaté, mais c'est pas grave. Là, il n'est pas à la menthe, il doit être nature. Attendez. Ah oui, bah non, c'est des doses normales. Ah oui, c'est des. Ouais, d'accord. On tire dessus. Ouais, c'est comme ça les dosettes. Donc, je vais en mettre, je pense, 4 dans un litre. 4 ou 5, je vais en mettre, ouais. Et puis, je vais boire ça froid au long de la journée. Boire de l'eau, c'est bon l'eau, mais il ne faut pas abuser quand même. Hein. Ouais. Voilà, bah écoutez, très contente de mon colis. Je vais surveiller quand il y en aura un autre, hein, parce qu'il y en a assez souvent quand même, mais il faut surveiller, hein, ça c'est sûr. Et puis voilà. Là, les pâtes, c'est des pâtes aux œufs. Cuire les pâtes 6 minutes dans 2 litres d'eau bouillante salée. Oui, bah ça, faire cuire des pâtes, c'est pas non plus. Hein. Ça, le chocolat, là, il n'a pas l'air d'être mauvais aussi. 50% de cacao, extra fondant. Alors, par contre, dès que je vais mettre le nez dedans, je me connais. Il va falloir que j'y aille doucement parce que dès que j'ai quelque chose, mon chocolat, voilà. Et alors là, en ce moment, c'est pas, ça nous arrange pas à Pâques. Alors, je devais aller faire des courses ce matin, et puis en fin de compte, ben là, il est déjà 11h moins 20. Je vais pas, non, je vais pas y aller ce matin. De toute façon, là, je me suis fait cuire des pommes de terre, cuire des œufs, et je vais me mettre ça en salade. J'ai encore un peu de salade aussi. Donc, j'ai encore des petits concombres. Ça va aller. Ce soir, je vais me faire une petite soupe.
Bon, c'est bon pour la journée, c'est bon, hein. Ouais. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire de courses aujourd'hui. Je me suis fait. Pourtant, j'ai commencé ma liste, hein. Oui. Elle est là, ma liste. Mais. Non, mais j'irai peut-être demain. Demain, c'est mercredi. Ouais, j'irai peut-être demain. Si je peux tenir jusqu'à vendredi, mais ça m'étonnerait quand même, là. Je vais peut-être pas avoir assez jusqu'à mercredi. Il faut que je regarde dans le congélateur ce que j'ai. Et sinon, bah, je peux rester jusqu'à vendredi et puis y aller quand j'irai. Oh, ben non, parce que le Toubi, je vais le voir l'après-midi. Bon, enfin, je verrai. J'irai sûrement faire des courses demain. Ouais, sûrement demain. Aujourd'hui, je vais rester tranquille, là. Faut que je fasse ma carte sketch pour demain matin. Avec Caro et puis Coco. Puis voilà, quoi. Mais enfin, bon, quand. Quand vous verrez cette vidéo-là, la carte sketch, vous l'aurez vue parce que cette vidéo-là va paraître après. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé et je vous dis ben, à la prochaine vidéo qui sera, je ne sais pas. Voilà, allez, bisous et bonne journée à vous.